Bonjour, une vraie et belle expérience pour ces élèves de la section hôtellerie du lycée Guy Moquet de Châteaubriant. Ils ont servi 300 personnes à l'occasion d'une soirée cabaret organisée à l'hôtel de la Ferrière. Ils ont aussi découvert comment concrètement une telle soirée était organisée, depuis l'idée jusqu'aux commandes des clients en passant par la communication ou encore la recherche des artistes. Là, le challenge, c'est une classe complète donc de terminale. L'objectif, c'est d'organiser une soirée gala, donc une soirée complètement particulière. Et donc, l'intérêt était depuis plusieurs mois de voir tout le côté commercial, le côté organisation, tout ce qui était légal, les actions à mener en place pour arriver à obtenir cette soirée. Comment on contacte les vedettes, comment on les fait venir, etc. Et puis, in fine, donc faire le service de la soirée donc qui aura lieu samedi. On leur a présenté les actions à mettre en place, donc c'est la Ferrière qui est maintenant rodée donc à cet exercice, donc la directrice de l'établissement est venue faire une intervention, donc a présenté tous les documents, toutes les actions qui étaient mises en place, donc ça leur a permis d'aborder ce sujet-là. Et donc par contre, toute la partie service, organisation, cuisine et tout, ça c'est mis en place par les élèves. Voilà. Donc c'est eux qui font la mise en place, c'est eux qui font la cuisine, et puis c'est eux qui feront le service. Donc là, il y a un peu plus de 300 couverts, je crois. Qu'est-ce que j'aurais expliqué comment on fonctionnait sur le service en lui-même? La mise en place des tables, tout ce qu'on appelle la carcasse, donc c'est mettre en place toutes les tables avant le dressage. Et comment avant de faire une carcasse, c'est qu'il fallait avoir le listing de réservation et de bien retrouver le nombre de personnes pour faire le nombre de tables après en conséquence. Il faut vraiment bien réfléchir pour pas se tromper et bien placer les gens au bon endroit. Donc les habitués, on va peut-être les placer plus en avant et les nouveaux dans le fond, et après au fur et à mesure que les gens reviennent, on les replace correctement au fur et à mesure quoi. Donc pas froisser tout le monde quoi. Nous sommes allés donc au lycée donc pour leur présenter un petit peu un dossier complet sur toute l'organisation en fait de la soirée, toute la partie communication en fait et tout le travail que nous faisons avec le marketing pour établir les affiches. Pour la communication, présenter des flyers et puis adresser en fait tous les courriers ou emailing auprès de la clientèle. On leur a présenté tout le travail de A à Z, tout le projet complet en fait, pour qu'ils comprennent un petit peu tout le déroulé d'une soirée en fait. Donc depuis la prise de contact avec le client jusqu'à la réservation et voilà. Arrête, ça va ? Arrête, moi j'ai trop bu. Le producteur, il m'a dit, vous êtes dans un château brillant. Et apparemment, le fameux Ludovic, responsable de salle, a été pleinement satisfait, voire même surpris par l'investissement des élèves. Service, là, je suis super étonné parce que j'ai des jeunes super, super intéressants qui sont hyper motivés. Ils me montrent leur motivation, donc ils sont hyper rapides, ce que je ne m'attendais pas. Donc franchement, une belle surprise là. Donc on va envoyer l'avion d'ici 10 minutes, donc ça va être sympa. Tous les élèves sont très motivés. Donc il n'y a aucun souci, c'est vraiment une très belle soirée. Et je pense que ce sera une très belle expérience pour eux.